شو معقول يجمع بين مستكشف مغاور ومؤلف موسيقى إلكترونية سنة 69؟ ما في إلا الصدفة. بهذه الصورة منشوف شباب عم بيدخلوا أرجيلة بمطعم بلبنان، على الشمال سامي كركبي مستكشف الطابق العلوي لمغارة جعيتا وأحد أهم السبيليولوج بتاريخ لبنان. حده فرانسوا بايل، أحد أعمدة الموسيقى الإلكترونية بفرنسا ومؤلف تاريخي. ومين كان بيقول إنه بيناتهم هيحصل حدث ثقافي تاريخي بمغارة جعيتا حيخض لبنان وصحف العالم. الصدفة شاءت كمان إنه التقى بضيف هيدي الحلقة فرانسوا بايل اللي حيخبرنا تفاصيل هذا الحدث اللي حصل من 54 سنة. بالحقيقة يبدو إنه الصدفة مواكبة مغارة جعيتا من لحظة اكتشافها لحد حلقة اليوم. Monsieur François Bayle, bienvenue à un nouvel épisode de cette émission Tarab Arab. Merci de me recevoir chez vous aujourd'hui. Bienvenue. Au-delà d'être une icône de la musique électronique en France ou à l'international, et après avoir été le directeur du GRM pendant plus d'une trentaine d'années, le hasard et la vie ont voulu que vous vous rendiez au Liban dans les années 60, plus précisément en 69. 68. 68, à la grotte de Jeita. Est-ce que vous pourriez me relater ces événements? Surtout qu'à cette époque-là, j'étais un jeune inconnu total, mais tout de même avec un début de carrière qui m'avait permis d'accéder à la discographie, une série chez Philips, inaugurée par Pierre Henry, qui s'appelait la série argentée, c'est-à-dire c'était une face métallisée, assez électronique on peut dire, et où j'avais fait un premier titre qui était « Espace inhabitable ». Tout est parti de ce titre. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, un jour, je reçois un coup de téléphone d'un inconnu qui s'appelait Sami Karkabi et qui me téléphonait d'un aéroport à Rome où il était en transit et où il avait 2 heures sans doute à attendre quelque part, et en se promenant il tombe sur un marchand de disques avec ce disque Espace inhabitable. Ouf. Vous voyez d'ici la série de cascades de hasard. Ouais. Parce que ce disque était là, parce qu'il avait 2 heures de libre, parce qu'il y avait les mots « espace inhabitable » et parce qu'il était spéléologue et qu'il connaissait, et que le mot « inhabitable » et « espace » résonnaient dans sa tête d'une manière évidemment très, très personnelle, et qu'il avait le souci, venant d'inaugurer un trou énorme qui se trouvait dans la grotte de Jeita, il avait réussi à grimper dans une partie supérieure où personne jamais ne s'était rendu, et il avait découvert un lieu formidable et il avait besoin qu'on parle de cela, et pour réunir des fonds pour pouvoir utiliser ce lieu, en faire une possibilité de visite, et pour cela de le marquer par un événement, et il a imaginé de faire un concert de musique dans cet endroit-là, et tout d'un coup, voyant le mot « espace inhabitable » et voyant le nom de l'auteur, il cherche et il me trouve. Qu'est-ce qu'il vous dit? Et il me dit, est-ce que vous seriez intéressé de venir visiter un espace inhabitable qui est une grotte à côté de Beyrouth? J'ai dit, écoutez, c'est très étrange, cette question, il faut réfléchir. Venez à Paris pour qu'on parle. Et tout est né comme ça, d'un hasard et d'un croisement de routes. Est-ce qu'il savait qu'il s'agissait de musique électronique? Je crois qu'il ne savait même pas ce que c'était. Oui. Mais en écoutant, effectivement, ça lui a paru intéressant parce que c'est une musique qui n'a pas de nom. C'est une musique qui échappe aux appellations. C'est une musique de sensations spatiales et d'émotions aussi, et puis de dépaysement et de matière et aussi d'éléments, c'est-à-dire on entend de l'eau, on entend du souffle, on entend des brillances, on entend des contrastes qui font allusion finalement aux sensations primitives. Il faut certainement qu'on revienne sur le sujet de qu'est-ce que la musique électronique à cette époque-là, la musique d'enregistrement de sons et de montage de sons enregistrés et de création peut-être aussi de sons inouïs. Inouïs, bien sûr. Un terme que vous aimez bien. Mais bien sûr que c'est ce que j'appelle la musique du total sonore, c'est-à-dire tout ce que l'oreille peut entendre. C'est la musique que l'on peut capter avec un microphone, c'est-à-dire tout ce qui fait vibration et tout ce qui fait sonorité. Et tout ce qui, en tant que sonorité, renvoie à des images intérieures, à des souvenirs primitifs, à quelque chose qui remue la conscience d'une manière qui n'est pas culturelle, mais qui est profondément physique, physiologique, et qui est une analyse finalement de soi-même. Et quand Sami Karkabi a écouté votre musique, et quand vous l'aviez rencontré à Paris, ici, quelle était sa réaction? Et... La réaction de cette époque était évidemment très spontanée et intuitivement riche. On voyait bien que cette musique touchait au subconscient et en même temps qu'elle pouvait être organisée acoustiquement de manière très élaborée, c'est-à-dire qu'elle était à la fois simple et complexe. Pour ceux qui ne savent pas, alors je parle surtout pour l'audience qui regarderait dans le futur cet épisode-là, quand on parle de musique électronique ou de musique acousmatique, qu'est-ce qu'on veut dire par ça précisément? On avait un problème d'appellation à ces musiques. Ces musiques, au fond, à ce moment-là, on avait une difficulté à les désigner autrement que par les outils. Musique concrète pour les Parisiens, musique électronique pour les gens de tradition germanique ou anglo-saxonne. Pourquoi? Parce que la musique inventée par Pierre Henry et Pierre Schaeffer était une musique d'ordre dramatique. Elle était utilisée, elle utilisait le microphone dans différentes sortes d'ambiances, tandis que les Allemands ou les anglo-saxons pratiquaient plutôt une musique à base d'oscillateurs. Avec des ondes très simples, avec des structures d'ondes assez simples, et qui étaient donc avec un caractère électrique prononcé. Après, il y a eu une appellation mixte, on appelait ça des musiques expérimentales, parce que finalement, on ne savait pas si c'était vraiment de la musique. Et puis après, on est encore venu plus loin à parler de, et c'est moi qui ai introduit ce terme, de musique acousmatique, c'est-à-dire de musique que l'on écoute sans voir l'origine, sans pouvoir déterminer l'origine des sons que l'on entend. Et cette question d'appellation a été pendant longtemps une source de débat et de conversation entre les spécialistes. Et quand on parle de musique acousmatique, et comme vous le décrivez, en écoutant des sons dont on ignore la source, le but serait quoi éventuellement? Du fait de visionner la source sonore, qu'est-ce que ça crée dans la perception? Évidemment, c'est la vraie question. Quelle est la force structurante de l'écoute? Il est évident que la musique est un langage qui emploie d'une part un vocabulaire de hauteur bien définie, dans lequel on utilise cette capacité de l'oreille de reconnaître des sons octaviens, hein, le même son qui se représente plus grave ou plus aigu, mais qui est le même d'une certaine façon, c'est-à-dire à la vitesse double ou à la vitesse moitié. Et puis, par ailleurs, on est intéressé aussi par les origines, si on entend des chutes, ou au contraire des glissades, ou au contraire des échos, des réverbérations, ou au contraire des ploufs, des phénomènes qui ont un sens, une connotation aquatique, etc. Où on a évidemment un recours à des souvenirs imagés. Mais finalement, l'écoute musicale, c'est finalement ce que l'on retient comme figure, c'est-à-dire quelque chose qui est une abstraction, en fin de compte. La musique est à la fois concrète et abstraite. Elle est concrète par sa matière, mais elle est abstraite par le souvenir qu'elle laisse, et qui est une sorte d'ouverture vers quelque chose que je n'ai pas de mots, mais je dirais une sorte d'idéal. Là qu'on a plus ou moins introduit les termes qu'on va utilisé dans la conversation concernant le Liban et la musique électronique et l'expérience à Jeita. Pouvez-vous me ramener à ce que vous avez convenu avec Sami Karkabi dans votre rencontre de 68 et ce que, ou même avant 68 et qui vous a amené à venir au Liban? Alors, mais Sami avait un problème. Il voulait faire un événement qui soit fort, mémorable et qui attire l'attention, qui lui permettent de trouver le financement pour que cette grotte puisse être visitée. Cette grotte, il faut en dire un mot, elle existait déjà depuis longtemps, mais elle avait une partie basse où on circulait avec des barques. Et en circulant un jour, Sami voit une ouverture dans le plafond. Et à l'aide d'échelles et puis de beaucoup d'adresses, son équipe arrive à monter là-haut et ils s'aperçoivent qu'il y a une autre grotte supérieure. Il faut s'imaginer comme une sorte de sablier, une cuve en bas, un petit œilleton et une nouvelle cuve en haut. Et c'est cette grotte supérieure qui tout d'un coup s'est révélée comme un endroit magnifique, qui est avec des draperies de stalactites superbes. Et ça a été pour lui l'idée de pouvoir faire visiter cette partie-là en construisant un accès à travers la colline, à travers la montagne, pour se rendre dans cet espace. Cet espace dont des photos sont visibles et que nous avons, dans lequel il y avait un petit promontoire qui faisait comme une mini-scène de théâtre dans lequel on pouvait installer un podium avec quelques personnes. Et puis, l'idée, bien sûr, c'était d'utiliser la réverbération, l'écho naturel de cette grotte. Il avait cette idée en tête. Oui, de se servir finalement de l'espace dans toutes ses caractéristiques. Il ne se préoccupait pas du danger potentiel, du rebondissement des sons sur les rochers. Bon, c'était une aventure. Il y avait des avantages et aussi des risques. Il fallait essayer de trouver quelque chose qui soit un événement qui utilise tout ça. Et c'est vrai que la musique expérimentale, comme on le disait à l'époque, se prêtait bien à cette étrangeté, parce qu'au fond, on s'attendait à n'importe quoi. Tout était possible. Il y avait une sorte de grande ouverture à l'innovation complète. Et les musiques que nous faisions de cette époque-là étaient quand même des musiques surprenantes, pas très répandues, donc avec un effet de spectacle. Oui, un effet d'étonnement garanti d'avance. Donc, Sami Karkabi et son équipe, et aussi l'Office du tourisme libanais, avec Gérard Coury. À Paris, l'Office de tourisme à Paris. L'Office du tourisme à Beyrouth, avec son antenne à Paris. Son antenne à Paris, oui. On pensait qu'il y avait là tous les ingrédients pour faire un événement qui serait assez fameux, assez extraordinaire, assez unique. Et il fallait tenter cette aventure. Alors, mais les dirigeants de cette époque-là, ou ceux qui se sont préoccupés de l'organisation de cet événement, ne se souciaient pas du potentiel effet que certains diraient désagréable de cette musique-là sur les spectateurs de cette époque? Je crois que tout le monde a été surtout intéressé par l'accès dans cet espace tout à fait énorme et accentué par justement le climat musical qui utilisait beaucoup la réverbération, l'espace des sons, les phénomènes acoustiques typiques de l'écoute dans une grotte. Et c'était bien qu'au fond, on ait commencé en effet cette expérience avec cette sorte de musique, parce que j'imagine qu'une musique plus traditionnelle aurait été illisible et aurait soit paru ridicule, écrasée par l'immensité de l'espace. Anachronique, vous direz, ou pas? Oui, enfin déplacée, disons, et finalement n'aurait pas fait la promotion du lieu, aussi bien qu'une musique de sonorité inouïe, et avec cette notion d'espace, avec cette notion d'étrangeté, bon, que j'ai eu la chance de pouvoir offrir. En tout cas, ça a été un succès. Et immédiatement, l'idée a été de faire là un festival annuel. C'est-à-dire que l'année même où on a fait l'inauguration, l'inauguration a eu lieu, si j'ai bonne mémoire, en janvier 1969. J'étais venu, moi, faire des repérages quelques mois avant avec l'équipe technique. L'inauguration en janvier, on a doublé le concert tellement il y avait de monde doublé dans le sens que vous avez joué deux fois. On a joué deux fois et tout le monde était d'accord pour dire oui, c'est un endroit qui mérite d'être un lieu de culte musical, pour installer quelque chose de radicalement neuf. Le Liban, à cette époque, avait une spécialité, c'était le théâtre, la spécialité du théâtre dans les... où est-ce que c'était déjà... j'ai perdu le... Vous parlez des frères Rahbani ou du théâtre musical de cette époque-là? Non, je parlais d'une rencontre théâtrale et d'opéra qui se tenait à Baalbek. Oui, le temple de Baalbek. Voilà, oui. Et c'était un événement annuel qui était très intéressant, mais c'était à Baalbek. Et donc l'Office du tourisme libanais se disait on pourrait alterner c'était une biennale, je crois, à Baalbek, et on pourrait alterner entre un événement à caractère théâtral dans les ruines de Baalbek avec un événement tout à fait unique et qui ne ressemble à rien dans l'offre mondiale, au fond, d'un concert dans la grotte, d'un concert spéléologique. Ce qui fait que j'ai suggéré que mon maître de l'époque, qui était Stockhausen, soit invité pour le premier concert qui a eu lieu, lui, en novembre de l'année 69. Lui qui ne connaissait pas la grotte en question. Il ne la connaissait pas, mais sa musique s'est très très bien adaptée. On l'avait choisie ensemble, j'étais en bonne relation avec lui. Et il a joué là Stimmung, qui s'adaptait formidablement bien, puisque c'était un petit chœur a cappella. Donc c'était des sons qui étaient très bien portés dans l'atmosphère de la grotte. Et donc ça a été aussi un grand succès. Et nous devions reproduire cela par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, les événements de la guerre du Liban ont commencé juste à ce moment-là. Et ont tout interrompu, évidemment. Quant à la grotte, je crois qu'elle a été fermée. Elle était une cache d'armes pendant des années. Elle n'a pas été détruite, heureusement. Elle n'a pas été... Il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu de destruction. Elle a pu être récupérée, je crois. Mais en tout cas, malheureusement, je n'ai jamais pu y revenir. Et ça a été, pour Sami Karkabi et toute son équipe, évidemment, une désillusion, mais pour tous les Libanais qui ont dû subir tous les événements aussi dramatiques que nous connaissons. Et Dieu sait que, malheureusement, ils sont loin d'être franchis. Et ils s'aggravent plutôt. Mais ça, c'est au niveau du monde entier. Hein. Voilà, mais c'était une belle expérience, une aube. Et j'ai encore un mot à dire là-dessus, parce que de cette expérience, j'ai retiré un projet. Je ne connaissais pas du tout, j'avais entendu parler comme tout le monde, mais je n'avais jamais lu la Divine Comédie de Dante. Et c'est le poète Chehadé qui m'en a parlé. Il m'a dit, mon cher François Bayle, vous devriez songer à faire une Divine Comédie, parce que votre expérience de la grotte de Jeita vous met déjà, d'une certaine façon, dans l'atmosphère de cette histoire extraordinaire. Et avec mon ami Bernard Parmegiani, nous avons entrepris, tous les deux, cet étrange projet de faire une œuvre acousmatique, donc en trois parties, enfer, purgatoire, paradis. Bernard Parmegiani a fait l'enfer, moi j'ai fait le purgatoire, et nous avons fait aussi ensemble un rapide... synthèse des deux. Oui, une synthèse des deux avec un paradis. Et tout ça, c'est né de Jeita. Et c'est né d'Espace inhabitable et du hasard d'une promenade de Sami Karkabi, spéléologue, qui avait 2 heures à perdre et qui est tombé sur ce disque. Mon Dieu, quand on pense à cette cascade d'événements, oui, absolument, qui étaient vraiment tous incroyable, aussi improbables les uns que les autres. Improbables surtout. Oui. Je voudrais revenir sur votre expérience personnelle de la grotte de Jeita. Et qu'est-ce que vous avez entamé comme programmation et comment vous avez conçu à l'intérieur de cette grotte, pour ensuite peut-être s'attarder sur l'expérience de M. Stockhausen. Je parlerai peu de l'expérience de Stockhausen, puisque au fond, Stockhausen n'a rien tenté spécialement. On a joué là Stimmung, c'est tout. Il n'y avait pas d'investissement spécial. Pour mon cas, ça a été tout à fait différemment. Parce que j'étais, moi, au début de ma carrière de compositeur, et j'ai fait là des prises de son dont j'ai tiré une suite qui s'appelle Jeita, qui n'a jamais été jouée dans la grotte, mais qui est le résultat de cette grotte et des prises de son que j'y ai faites. Et qui s'entend maintenant comme un souvenir de ma promenade et de mon aventure dans cette grotte-là. Et donc ça a été pour moi générateur d'une part de cette musique et d'autre part du projet de la Divine Comédie. Donc je dois beaucoup au hasard de cette première fois. Y a-t-il... Si on va parler peut-être de Jeita murmure des eaux, il s'agirait de prises de son que vous avez fait dans la grotte de Jeita. Oui, mais surtout de l'émotion. Quelle émotion? Pouvez-vous rentrer dans cette émotion-là? Oui, c'est du dépaysement et de l'émerveillement de la structuration du temps tel qui s'offre lorsqu'on est à l'intérieur d'une grotte. Parce que ce n'est pas simplement un lieu, c'est un espace peuplé de sculptures et de sculptures temporelles, étranges, puisque ces phénomènes visibles, que sont les draperies cristallines qui se produisent par l'action des gouttes d'eau et la réunion des phénomènes montants, stalagmites ou tombants, stalactites, qui produisent finalement des contrastes de formes tout à fait surprenants, et qui sont intéressants aussi acoustiquement, puisque quand on les choque, elles produisent des sonorités cristallines, elles sont une sorte de xylophone géant, dont j'ai utilisé les propriétés en faisant des enregistrements sur place. Bon, donc c'est toute une matériologie, c'est toute une dynamique d'écoute, c'est tout un dépaysement, c'est tout un travail qui n'est pas sans évoquer le monde de Jules Verne, ou des voyages dans des espaces imaginaires, mais qui là sont concrets, sont réalisés avec des formes qui ressemblent à des fantômes, à des fantasmes. Voilà. Et donc ça excite beaucoup l'imagination, et en même temps c'est très intéressant pour le musicien, puisque c'est une source de sonorité tout à fait spécifique et inouïe. Et qu'en était-il pour l'audience? Vous avez parlé d'une très bonne réception du concert. Oui, alors là, je dois dire que Jean Joly... Est-ce que vous avez interagi avec oui, les gens? Oui, mais Jean Joly, parce que j'imagine que surtout que les gens étaient complètement dépaysés et c'était au-delà, je pense, de tout sentiment. C'était un endroit étrange, voilà. Et il s'est passé quelque chose d'étrange de bout en bout. Ça commençait déjà pour venir jusque dans l'espace d'écoute. Ce n'était pas si simple que ça. Il fallait arriver d'abord jusqu'à l'entrée, ouais, qui était déjà un bon petit parcours. Et une fois qu'on était là, on n'avait encore rien vu, parce qu'il fallait se promener jusqu'à l'emplacement du lieu d'écoute, qui était un bon quart d'heure de marche. Il devait bien y avoir plusieurs kilomètres. Je ne me rappelle plus exactement. Et c'était magnifique, parce que c'était une sorte de ruban de béton qui courait le long de la paroi de la grotte, admirablement dessiné par un architecte dont j'ai perdu le nom, mais je crois que c'est Gassan ou quelque chose comme ça. Il faudrait rechercher dans les archives. Un excellent architecte qui a fait un travail merveilleux de légèreté, de grâce et de solutions spatiales très très originales. Et déjà, cette promenade était accompagnée. En effet, je voulais vous poser cette question-là des installations. Vous avez mentionné le fait que vous accompagnez les gens qui entraient avec des événements sur des haut-parleurs qui sont placés un peu partout. Oui, qui suivaient le trajet du public. Oui, une bonne cinquantaine de petits haut-parleurs tous les 10 mètres qui donnaient des instants de musique avec des silences et qui mettaient finalement en appétit et qui faisait résonner l'espace, ce qui fait que tout de suite, on savait qu'il allait se passer quelque chose de tout à fait unique. Et c'était, bien sûr, ça créait, ça faisait partie de la dramaturgie, on peut dire. Et pour parler de musiciens de cette époque-là, ou de compositeurs, est-ce que avez-vous interagi avec des compositeurs et des musiciens locaux et quand vous êtes revenu en France, qui étaient les gens avec lesquels vous avez partagé cette expérience-là dans le domaine musical? Sur place, il y avait effectivement j'ai enregistré quelques bribes de morceaux parce que le personnel qui servait à installer c'était sans doute des Palestiniens, sans doute des gens qui avaient une autre qui était d'origine très diverse, mais et qui vivaient dans des tentes dans les environs de Beyrouth. Et je m'étais posé la question du mode de vie de ces personnes et de leur intégration. On m'avait à ce moment-là rassuré en me disant non, non, tout se passe bien, nous vivons en paix les uns avec les autres. D'ailleurs, ils vivent dans des tentes, mais qui sont très bien équipées, ils ont des réfrigérateurs, tout va bien. J'étais un peu surpris que Beyrouth soit entouré comme ça d'espace avec un tiers-monde qui habitait là. Et j'avais fait des enregistrements d'un flûtiste qui était dans l'équipe des manutentionnaires qui transportaient tout l'équipement. Et de toute façon, j'avais un peu d'inquiétude. Ça se traduit par le fait que si on écoute Jeita murmure des eaux, la pièce dont j'ai tiré cette suite après l'expérience, ça explique que le dernier mouvement, qui s'appelle Oracle, soit un mouvement assez dramatique et annonciateur d'un orage certainement sinistre. Un peu prémonitoire. Je n'ose pas dire ça, mais le fait est que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire dans une sorte de mouvement inconscient, j'ai senti qu'il y avait un drame quelque part. Et j'ai eu une question de maltraitance ou non, quelque chose comme ça. Non, j'ai senti qu'il y avait une situation qui crée un climat avec une mise en garde, avec quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la sérénité, au contraire, mais plutôt de l'ordre du drame. C'était intuitif. Ça venait aussi dans la nécessité de donner un phénomène d'ordre de climax à l'intérieur de la suite des 17 mouvements de Jeita. Il fallait qu'il y ait un moment dramatique. Et je ne vais pas me donner des prémonitions exagérées, mais maintenant, quand on écoute Jeita, et notamment cette fin assez sinistre qui tout d'un coup surgit, alors que nous, pendant très longtemps on est dans une sorte de sérénité d'écoute, tout d'un coup il y a un moment de drame sur lequel s'achève l'œuvre. Eh bien, ce schéma, malheureusement, a correspondu tout à fait aux événements historiques qui se sont produits peu après. Ce n'est peut-être qu'un hasard. Mais est-ce que le hasard existe vraiment? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais, oui, je laisse le point de suspension. Parce que les événements qui ont conduit à votre arrivée au Liban ne sont-elles pas que le fruit du hasard ou de quelque chose de planifié à l'avance? Je ne vais pas faire de surinterprétation qui serait trop facile ou stupide. Toujours est-il que le fait est comme ça. Bien sûr. Et c'est ce que c'est. Et voilà. Et que l'histoire est aussi celle-là et que les deux schémas se coïncident. C'est facile parfois de regarder des événements qui se sont produits dans le passé à quelques années ou beaucoup d'années de distance et faire des corrélations avec ces événements-là en pensant que, ah oui, certainement, parce qu'il y avait cet événement qui s'est produit, ça va guider vers un certain autre événement. Mais c'est un peu illusoire comme vision du monde. Je voudrais revenir précisément à cette question que j'ai évoquée précédemment concernant l'interaction avec les musiciens. Vous avez parlé des gens qui vous aidaient à transporter le matériel, mais des professionnels du milieu, il n'y en avait pas d'interaction avec eux? Non, pas du tout. Je pense que ce concert était un événement à tout point de vue. Aussi bien... Était-il plutôt politique, cet événement, les personnalités qui étaient là-bas? Vous rendez-vous compte de qui assistait? C'était... Pour moi, c'était un monde tout à fait étrange dont je n'avais pas la moindre idée. La personne avec laquelle j'ai le mieux communiqué, c'est le poète Chehadé, qui était évidemment un merveilleux francophone et qui a très bien senti l'étrangeté de la situation et qui en a parlé de façon très... Mais c'est tout. Il faut quand même aussi se dire que c'est un événement un peu exotique. On arrive, on travaille, on a peu de temps, c'est une bousculade, et puis tout d'un coup c'est fini, c'est le lendemain, on reprend l'avion et on est rentré à la maison. C'est plutôt rétrospectif l'analyse qu'on peut faire de tout ça. Ce qui s'est passé tout de même, c'est quand même une formidable expérience et l'inauguration d'un lieu merveilleux. Voilà. Avec ce double rebond, comme je viens de dire, ce double rebond d'une part d'une œuvre ultérieure, qui était finalement le souvenir de tout ça, le carnet de route, on pourrait dire rétrospectif, et puis par ailleurs, cette chose étrange que... Sans Jeita, je n'aurais jamais entrepris une divine comédie. Est-ce que, dans le sens où vous le mettez, Jeita et la divine comédie qui a découlé de l'expérience de Jeita, ce sont les événements qui ont lancé votre carrière? Oui, il se retrouvait... Bien que vous étiez directeur du GRM à cette époque-là. Oui, non, mais j'étais au début, et c'était à la fois un tremplin. Il fallait de l'audace, il fallait faire des choses un peu surprenantes. J'étais jeune, pas trop, c'est-à-dire j'avais déjà un métier qui commençait à être suffisant. En même temps, arrivait, c'était une époque très expérimentale, arrivait de nouvelles technologies, oui. Arrivait des synthétiseurs, arrivait petit à petit des outils techniques plus élaborés que les simples microphones. Quand on pense que Pierre Henry a fait toute sa carrière uniquement avec des microphones et oui. des effets Larsen, c'est-à-dire avec des outils de production sonore extrêmement simples, extrêmement rudimentaires. Mais, en revanche, une fertilité d'imagination extraordinaire pour, avec si peu, produire tant, produire des musiques aussi variées. Mais enfin, nous sommes arrivés, je dis nous parce que je représentais, moi, pas simplement mon propre travail musical, mais aussi celui de toute une équipe, de tout un groupe, surtout avec mon ami Bernard Parmegiani. Nous étions, d'une certaine façon, déjà... dans la génération, dans le wagon suivant, auquel était accroché aussi celui de la musique informatique, qui est encore venu par la suite. Et j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, de franchir comme ça un certain nombre d'étapes qui se sont trouvées suffisamment courtes pour s'enchaîner les unes aux autres, en sorte que j'ai pu en profiter, et ça a fait toute ma carrière, c'est-à-dire 60 ans de vie musicale, c'est-à-dire à peu près chacune faisant une dizaine d'années. 6 générations, 6 esthétiques. Ça fait 6 esthétiques successives. Oui. Si on va penser que chaque 10 ans, voire maintenant chaque 5 ans, les esthétiques se bouleversent. En tout cas, pour rester simple, pour compter facilement en décennies, j'ai traversé cette formidable époque de 6 régénérations musicales. Sans doute. Et je ne sais pas, j'ai l'impression, quelque part, que cet événement-là, que moi, observateur du 21e siècle, de 2024, cet événement qui avait eu lieu en 69, il a une ampleur et une place dans l'histoire culturelle de mon pays, le Liban, qui est beaucoup plus grande à mes yeux que peut-être l'ont pensé les contemporains de cette époque-là. Certainement. Et je ne sais pas, et j'ai juste cette impression que peut-être cet événement-là a été beaucoup mieux reçu à l'extérieur du Liban. Vous me raconteriez, si cela est vrai, quand vous avez partagé cette expérience avec vos collègues ici en France, qu'il ne l'était en fait dans le lieu où ça a été produit. Oui, bien sûr, parce que le lieu et les circonstances de cette production, c'était quand même des mondanités. C'était quand même le milieu du tourisme d'affaires. Et, oui. et le prétexte touristique restait une sorte de phénomène lointain. Mais tout de même, un homme comme Stockhausen est venu. Vous avez conversé avec lui à propos de cet événement? Mais oui, nous, on était très amis à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Lui, il était très content d'avoir un succès de plus dans sa jeune carrière, parce qu'il était encore jeune à cette époque-là. Dans l'assistance, il y avait le peintre Max Ernst, qui était venu aussi. Donc il y avait un certain nombre de grands personnages qui se sont promenés dans la grotte de Jeita et qui ont été influencés par nos musiques, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Et le pays, certainement, en aurait profité complètement s'il n'y avait pas eu ces terribles circonstances politiques et dramatiques, bien sûr, bien sûr. On a été chanceux d'en tirer la partie créative, sachant que, mon Dieu, c'est un luxe. Vous avez mentionné, avant qu'on commence à tourner, qu'il y avait une désillusion quelque part chez les Libanais ou peut-être les dirigeants concernant, je ne sais pas si vous mentionnez l'ampleur de cet événement ou la nature de cet événement ou la nature du pays. Ben, Gérard Coury, qui est un historien du Moyen-Orient bien connu et qui a beaucoup étudié cette question-là, qui est malheureusement décédé à l'heure actuelle, mais qui a énormément réfléchi et écrit là-dessus, était bien conscient, et il me racontait justement toutes les tensions internes et la fragilité extrême. C'était évidemment un château de cartes. Les influences intérieures et les influences extérieures étaient tellement abondantes que effectivement, le jour où les forces de prise de conscience se sont exacerbées, c'était pratiquement impossible de les arrêter. Et je pense que malheureusement, on est encore en plein dedans. Vous savez, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant m'oblige à supposer l'une des deux hypothèses. Parce que vu d'ici, ici étant le 21e siècle et 2024, un Libanais comme moi, qui fait face au désert culturel que vit le Liban actuel, aurait pensé que, ah, regardez ces gens-là des années 60, à quelle musique ils étaient exposés, qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique, qui étaient les artistes qu'ils invitaient chez eux. C'était des musiciens, c'était des compositeurs de musique contemporaine, voire expérimentale, comme peut-être on le décrivait à l'époque. Alors, comme vous me l'aviez présenté, l'autre hypothèse se présente comme étant juste un fruit du hasard et non pas quelque chose qui émanait d'une exposition ou d'une assimilation de ce vocabulaire dit contemporain, a fait que la musique expérimentale ou la musique dite électronique et contemporaine de cette époque-là soit rentrée au Liban. Mais tout de même, devant ces deux hypothèses, je ne peux que penser à la place de la musique contemporaine dans notre monde d'aujourd'hui. Même si c'était un fruit du hasard ou que ça soit un fruit d'une haute assimilation culturelle du vocabulaire de l'époque, cette musique-là a véhiculé de l'Europe à un petit coin de la Méditerranée qui s'appelle le Liban. Il y avait un événement d'envergure et des plans d'un festival de musique contemporaine dans l'avenir, dans ce lieu-là. Comment voyez-vous le sort du compositeur de musique contemporaine dans les sociétés d'aujourd'hui? Moi, j'aurais tendance à, comme ça, à distance, quand on se repasse le film de ces événements, après avoir dit le caractère très accidentel de cette affaire qui s'est passée avec comme ça des rencontres presque surréalistes, je vais changer de côté et dire à quel point, au fond, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire il y a un fil conducteur très fort, là derrière, sous-jacent. Commençons par la spéléologie. C'est l'idée de faire la connaissance avec les forces et les formes élémentaires de la nature, et de voir l'extraordinaire variété de ces formes, l'extraordinaire beauté des résultats, et d'offrir en spectacle quelque chose qui est un phénomène à la fois artistique et complètement naturel, et qui est saisissant. Et donc un lieu structuré comme une œuvre. Oui. Parallèlement, pour mettre en route et en valeur cet étrange endroit, l'idée de l'associer à un événement musical. Parce que quand on rentre dans une grotte, c'est aussi une aventure de son. Parce que le son est transformé. Parce que l'écho, déjà, modifie complètement la sensation d'espace. Et pourquoi, et le hasard qui offre que on peut faire là une musique qui n'a de musique que le nom, parce qu'en elle-même, elle est quelque chose de beaucoup plus large que la musique telle qu'on le conçoit. Elle n'est pas un phénomène ethnique étroit, elle n'est pas un objet de civilisation étroit. Elle est tout d'un coup, elle revient aux sources primitives de la projection des sons et de la capacité d'émerveillement de l'écoute et de la sensation de l'espace. Et donc une musique qui revient aux sources primitives de l'émotion, dans un lieu qui lui-même impose également une réflexion, un retour sur soi-même. Donc, tout ça, ça fait partie de cette expérience fabuleuse. De la même façon que la pointe de l'art contemporain est aussi souvent un retour à un primitivisme complet, c'est-à-dire beaucoup plus un retour aux sources qu'une progression en avant. C'est-à-dire, il faut revenir aux capacités premières de l'émerveillement en utilisant toute la technologie la plus avancée possible. Serait-ce un processus d'intériorisation plutôt qu'un retour aux sources? Ce sont les deux. C'est un phénomène qui marche, qui part dans les deux sens, vers l'avenir et vers les sources fondamentales profondes. Ce à quoi je voulais arriver en posant cette question, c'est de savoir, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui ramener un compositeur de musique contemporaine pour faire un concert aujourd'hui à Jeita? Je ne sais pas. Je déconseillerais de faire un concert de musique contemporaine, justement. Il faut, pourquoi et qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Parce que si on met des guillemets autour de contemporain, on rentre dans une espèce d'étroitesse stylistique, de chapelle, qui est absolument qui est ridiculisé lorsqu'on est à l'intérieur d'un lieu aussi basique, aussi fondamental. À Jeita, il faut des forces élémentaires. Les forces élémentaires sont largement suffisamment complexes. Ce qui a été un hasard, c'est que moi, je n'étais pas à ce moment-là un compositeur de musique contemporaine. J'étais quelqu'un qui essayait le vocabulaire des sons. Le hasard aussi a fait que quand on a eu l'idée de faire un concert et que j'ai pensé à Stockhausen, c'est parce que nous avions créé Stimmung peu de temps avant et Stimmung est une œuvre tout à fait spéciale. Ce n'est pas une autre œuvre de Stockhausen qui aurait pu convenir. Celle-là, particulièrement, était adaptable et adaptée à un tel endroit. C'est-à-dire il fallait à la fois quelque chose de très simple, de très fort, de très primitif, le lieu faisant le reste. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors, supposons, mettons-nous dans le meilleur des mondes, on aurait fait des concerts. Oui, supposons ça. Eh bien, je crois qu'il aurait mieux valu à ce moment-là faire le concert à l'extérieur de Jeita. Et non pas à l'intérieur. Dans un auditorium avec une acoustique réglable et convenable pour l'écoute, et proposer en entracte une promenade dans Jeita, dans la grotte, pour faire des transitions, pour digérer la musique, pour faire des entractes de 2 heures entre une série de concerts dans un auditorium qui aurait été avec une architecture acoustique complètement maîtrisée, juste à côté et à l'extérieur. Voilà comment j'aurais, je dirais, si on s'était été dans un monde ordinaire, ça aurait été plutôt ça la suite. Le festival qui aurait pu avoir lieu aurait ressemblé à ça plutôt. Voilà. Et pourquoi pas à l'intérieur? Parce que c'est, comme vous le décrivez, ça semble difficile pour vous de concevoir que n'importe quelle musique soit jouée à l'intérieur. C'est pas possible. Toute musique un peu complexe est brouillée, est complètement brouillée. C'est-à-dire un quatuor de Beethoven périrait à l'intérieur de Jeita. Je ne dis pas qu'il périrait complètement, parce que Beethoven est impérissable et qu'il y aurait tout de même, on attraperait ici ou là quelques climax. Mais non, on voit bien que le message serait brouillé et que le vrai message d'une grotte, c'est de s'y rendre pour voir comment fonctionne la nature et d'être très petit pour être disponible à en observer tous les détails merveilleux. Et par ailleurs, écouter la musique, c'est un autre travail. Il faut être dans des très bonnes conditions acoustiques pour ça. Et que l'un peut s'enrichir de l'autre par voisinage et par un système de va-et-vient auquel il est facile de rêver. Je sais que j'ai un peu poussé jusqu'au bout les limites de ce sujet-là, mais je voudrais terminer par, et clôturer par une question. Est-ce que vous pensez que cet endroit, Jeita et le Liban, avait ou a toujours une potentialité expressive, dans le sens où ça pourrait être un lieu de production culturelle qui a une certaine importance ou un certain poids dans le monde de la culture universelle humaine ou pas? C'est un merveilleux endroit, c'est une prouesse de l'avoir rendu accessible. Et il y a un travail architectural qui est une œuvre en soi. Et donc, c'est un déplacement très enrichissant. Je ne sais pas, je tiraille entre ne pas vouloir vous embêter, et vous faire travailler, et l'opportunité que j'ai avec vous aujourd'hui pour vous poser des questions. Si je peux, oui, volontiers. Parce que j'ai toujours pas eu de vous une réponse sur... C'est comme si vous n'avez interagi avec personne quand vous étiez allé là-bas. C'est ça l'impression que j'ai des réponses. Comme quoi vous êtes allé là-bas, vous avez juste fait votre truc, vous avez monté le spectacle, c'était très bien, on l'a refait une deuxième fois, tout le monde a aimé, vous avez, je sais pas, un peu mangé dans les restaurants, visité quelques endroits comme tous les touristes font, et comme on dit ici aujourd'hui, basta, et vous êtes revenu en France. C'était comme ça? Pas tout à fait, si vous avez entendu ce que j'ai dit. Non mais je sais. J'ai fait une œuvre, et ensuite, ça m'a lancé sur un autre projet qui est... Oui, mais je parle sur le plan libanais. Ah ben, effectivement, je n'ai croisé aucun compositeur, aucun peintre, aucun... C'est ça, mais je ne parle pas de ce dont on a parlé. Je visais principalement... ouais, cette interaction intra-libanaise qui, comme si elle n'avait jamais eu lieu. J'ai tout de même le souvenir d'une grande ouverture d'écoute. Sami Karkabi était quelqu'un qui aimait beaucoup l'art, la peinture notamment, la sculpture, la tapisserie, C'est un homme très raffiné, très cultivé, et qui était un collectionneur. Gérard Coury était également un homme très très raffiné, avec dans sa maison des quantités d'œuvres d'art, des poteries, des livres, des œuvres de haute culture. Toutes les personnes que j'ai rencontrées au Liban, dans le cercle de Chehadé, étaient des gens extrêmement riches et subtils. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de musique électroacoustique, mais peut-être que cette expérience leur a aidé tous ces gens-là à mieux voir ce qu'était Jeita en soi-même, c'est-à-dire... Ils ont aimé Jeita, et l'événement qui s'est passé a eu comme effet que cette grotte est visitable. C'est devenu un lieu pour tout le monde, car sinon elle était condamnée au seul spéléologue. Ouais. Elle était trop dangereuse pour pouvoir y accéder, faire accéder du public. Grâce à cette série de phénomènes complètement inattendus, des imbroglios culturels, il s'est produit un travail qui a coûté beaucoup d'argent certainement. Qui valait le coup. Et qui est un bien public, qui est un patrimoine, et qui devient, qui devient un haut lieu, de culture. Vivement que le Liban redevienne un pays où on puisse aller apprécier à la fois le passé, les vestiges, et puis la modernité. J'espère qu'un jour, ça se retrouvera. Monsieur François Bayle, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Mais non. Merci beaucoup pour... C'est un plaisir de parler de toutes ces aventures et de la chance que j'ai eue, en tout cas, dont je remercie le hasard. Toujours le hasard. Oui, de m'avoir permis de le vivre et de l'offrir aussi aux autres. Le Libanais, en moi, veut juste vous dire, on vous attend au Liban. Parce que le Libanais toujours attend les gens de l'extérieur. On vous attend. Revenez. Le Liban s'est agrandi jusqu'à ici, parce que finalement, Jeita est partout. Oui, exactement. Alors, à bientôt. Merci.